Que Xavier Gachet, d'Arèche-Beaufort, membre de l'équipe de France de ski alpinisme, puis du team Carpos. Alors, je fais du ski alpinisme depuis tout gamin, en suivant les traces de mon père. Je suis rentré en équipe de France il y a 3-4 ans. Alors, ce qui me motive le plus, c'est les belles courses, les courses individuelles ou les courses par équipe, avec des beaux parcours, du parcours technique, du vrai ski, à la descente comme à la montée. Et puis voilà quoi, c'est l'objectif de l'hiver, de faire une belle pyramide en premier. Et puis un beau circuit Coupe du Monde, enfin tout ce qu'on peut, hein, le mieux possible partout. Alors j'ai commencé le ski alpinisme quand j'avais 7-8 ans, en faisant 2-3 randonnées, d'abord avec mon père, après avec le curé de notre paroisse, Jacques Placière, qui en a fait débuter plus d'un. Les premières courses, c'est vers 13 ans, par la Gaspard, comme beaucoup de gamins chez nous. Ensuite, je me suis mis vraiment à faire des cours de ski alpinisme en cadet, en 2005. Et puis depuis là, je n'ai pas arrêté, j'ai fait tous les championnats avec l'équipe de France. Et puis, ça fait que je fais partie des anciens, même si je suis encore pas trop vieux. Oui, ben le ski alpinisme et la montagne, ça fait partie de ma famille par rapport à la pyramide que mon père a participé une vingtaine de fois. Après, bon, ben, comme tous les jeunes de chez nous, le ski alpinisme, ça fait partie de notre vie. Quoi. Enfin, le ski alpinisme, plutôt la montagne en général, ça fait partie de notre vie. C'est une façon de s'amuser à l'extérieur parce qu'on a un beau terrain de jeu sur Arèche. Et puis voilà. Bah, la pyramide, pour moi, c'est le ski alpinisme. C'est la définition du ski alpinisme. Pour quelqu'un qui connaîtrait pas ce que c'est, qui a regardé quelques images de la pyramide, c'est le ski alpinisme. C'est ce qui m'a donné envie de faire du ski alpinisme, de faire de la compétition, de m'entraîner toute l'année. C'est ma principale motivation. Ça passe pas un jour sans penser à la course, hein, et se remémorer des moments de la course ou des passages. Des moments passés ou des moments imaginés, des moments futurs de l'année prochaine. Et c'est le gros événement du village avec la fête d'Arèche. Mon compagnon idéal, enfin pour l'instant, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des coéquipiers, je me suis bien entendu. Du coup, tout se passe bien. Là, bon, c'est du bonus, je cours depuis l'année passée avec William, donc on est tous les deux du même village. On s'entraîne souvent ensemble, du coup c'est du bonus, on se connaît de plus en plus. Mais le compagnon idéal, c'est s'adapter l'un à l'autre et faire le mieux possible ensemble. Ouais, bah maintenant, oui, c'est sûr que l'entraînement c'est toute l'année, hein. C'est obligé de s'entraîner toute l'année, à part blessure, mais ça serait trop dur de revenir à un niveau de forme potable l'hiver en s'entraînant pas l'été. Du coup, l'été c'est de la course à pied, du vélo. Principalement, ces deux sports-là, on est toujours un peu en montagne, sans les vélos en partant de la maison, du coup c'est que de la montée et descente, c'est pas beaucoup de plats, mais c'est le principal entraînement, le vélo plus la course à pied. Ben oui, pour les prochaines années, mon rêve c'est de gagner la pyramide. Je cours pour ça depuis le début, mais je crois toujours l'avouer, mais oui, c'est mon rêve. Ensuite, c'est toutes les Coupes du Monde, c'est pareil, j'ai le titre de champion du monde, c'est des rêves, mais bon, c'est dur à réaliser, hein, je m'en rends compte de plus en plus, mais faut y croire, et puis si ça se réalise, tant mieux, ça sera super, si ça se réalise pas, on fera avec.
ciao, Carcos, à bientôt à la Pyramide.